Bonjour. Merci. Bienvenue. Bien entretenu ici. Oui, on essaie d'être ordonné. Bonjour. Et c'est là que je suis dit. Oui. En temps réel. En temps réel. Cette application, ils arrivent à photographier le bébé. Ils introduisent certaines informations qui viennent dans le serveur et on a les résultats qu'on voit. Donc partout il y a des points bleus, c'est de là où proviennent les résultats. C'est en temps réel donc. C'est en temps réel. Donc là nous sommes à 10 millions de lecteurs. Est-ce que juste là vous voyez que la France en train de la signer en train de. Très fort. Au début, les premiers jours, on était un peu en avance. Ouais. Comme c'est leur administration, là, ils ont rattrapé et puis ils sont plus avancés. Nous, là, vous constatez, on a des difficultés au niveau du grand équateur. Ouais, pourquoi là-bas, le réseau est très difficile. La zone est difficile. Nos équipes ont des difficultés à travailler là. Et jusqu'à présent, là, donc, nous sommes rassurés du score. Ouais. Parce que la zone la plus dangereuse, c'était vraiment. Pourquoi c'était dangereux? Les analyses qu'on avait faites, les études pré-campagne, on savait déjà que c'était la zone où il fallait qu'on travaille le plus pour assurer notre électorat. Mais on voit par exemple que là, dans le Grand Katanga, vous n'avez pas beaucoup. Vous avez quand même beaucoup de voix, mais il y a un autre candidat qui est en avance. Vous avez prévu ça? Oui. C'est prévisible. On s'y attendait d'une certaine manière, mais c'est vrai qu'à certains endroits, il a été un peu plus fort qu'on espérait. Ouais. Sinon, c'est... Vous êtes un peu déçu? Non. Non? Du moment que le score final est favorable. Ouais. C'est la fin qui compte. Oui. Ouais. Mais nous allons, je crois, d'ici peu, lancer encore d'autres études pour permettre cœur de mieux gouverner pour le prochain mandat et je crois qu'aussi politiquement ça va nous permettre de corriger et de mieux faire, d'être mieux réceptif par rapport à ces populations. Vous avez parlé de cette application, elle est conçue par les Congolais ou ça vient d'ailleurs? Non, c'est quelque chose qui existe. Qui existe déjà. Qui existe déjà, mais certifié. C'est certifié au niveau international. Mais c'est des jeunes Congolais qui nous l'ont mise à disposition et qui travaillent dessus pour nous. C'est pas la première expérience hein, de suivre ça, c'était en 2011 et en 2018 aussi. Qu'est-ce qui a changé cette fois-ci? Vous avez un peu plus de moyens, c'est ça? Oui, on est mieux nantis, mais l'expérience nous a servi. Et il faut dire qu'au niveau de... Parce que chaque projet, cette structure vient de notre parti, DPS, à travers sa commission électorale permanente. Et dans cette commission, on a travaillé sur ce projet pendant près de 2 ans. Voilà. Donc on s'est mis à améliorer, à se rassurer qu'on allait atteindre les objectifs. Et là, vous avez l'air d'être satisfait déjà. Oui. Vous avez atteint l'objectif, les sourires commencent à arriver parce qu'à ce point ici, les résultats sont irréversibles. Mais bon, le travail n'est pas fini. Là, très rassuré par rapport à. Va nous rester aussi les autres scrutins. Députation nationale provinciale, c'est aussi des enjeux énormes pour nous et sur lesquels notre président compte prochainement. Il y a une autre équipe qui travaille là-dessus et c'est encore du travail. C'était énorme hein, comme moyen et vous avez. C'était quoi le budget? Millions. Il y aura des rapports internes okay. sur le budget. Ouais. Mais okay. C'est bon, ça se voit.
Enfin, c'est pas... Bon, là, sur les bouquins. C'est pas des machines à voter, hein? Non, les machines, c'est à la scène. Ouais. Lorsqu'on a démarré, on avait l'impression d'être légèrement en retard. Mais je crois que ça a été comme. C'était quoi qui vous donnait cette impression? Personnellement, je me souviens de tout. Non, j'avais la parole de Est-ce que vous saviez à l'époque que ce serait vous le responsable de la campagne? Non. Mais au niveau du parti, j'ai la responsabilité des élections. Ouais. Au niveau de son cabinet, j'ai aussi la responsabilité des élections. Donc je suivais tout ça de près et à chaque fois, dans mes communications, mes rapports, on parlait des élections. J'avais la responsabilité à chaque fois de l'avertir, de l'interpeller sur toutes ces questions. Mais vous aviez une forte. Très belle communication, vous avez fait appel à une expertise extérieure. Les gens qui ont travaillé derrière la communication, c'est que des Congolais ou il y a eu des... Dans l'équipe de campagne, la communication est entre les Congolais. Ok. C'est à quel niveau qu'il y a eu des... d'autres expertises? La presse internationale s'est intéressée au scrutin. Pour tous les candidats, donc elle est venue. C'est vers nous, mais c'est pour la communication. Ouais. Mais notre communication est entre les mains de... Alors, et ici c'est votre bureau. On est autorisé d'entrer avec la caméra? Il est très modeste, votre bureau. Oui. Il n'y a rien de... Là, on est beaucoup plus sur terrain. Tu peux m'asseoir? Oui, assez. Merci. Soir avec toi. Il y a beaucoup de pression. Parce que c'est la campagne... président en fonction. Donc il y a beaucoup de pression, c'est la campagne aussi d'un grand leader, il y a beaucoup de gens autour de cette campagne qui veulent y participer, qui veulent être au courant de ce qui se passe. Et je crois que les grands défis aussi que nous avons eu, c'est d'arriver à mettre une certaine cohérence dans l'équipe. Et ça, c'est ça qui nous a aidé. Ça n'a pas été aussi... avec trop de complications. On a réussi à être une équipe assez rapidement et ça a permis à ce qu'on aille de l'autre. Et pendant la campagne, on a vu que votre candidat a sillonné énormément de... presque, je pense qu'il a fait tous les territoires, mais enfin il a été un peu partout. Et comment vous avez géré ça? Parce que d'un, c'est un chef d'État et les deux, il doit se déplacer à des endroits où... c'est pas évident en matière de déplacement. Comment vous avez géré ça et de maintenir en forme? Même si j'ai vu qu'il a perdu beaucoup de poids, parce qu'il a fait sûrement beaucoup d'exercices. Mais comment êtes-vous arrivé à faire ça? On a réussi à faire 26 provinces, 26. 53 meetings, plusieurs territoires. Je n'ai pas encore réussi à faire le décompte du nombre de territoires qu'on a fait. Mais je crois que le grand atout qu'on a eu, c'est la volonté du candidat à bien nous accompagner. C'est vrai que c'est assez lourd. De faire la campagne d'un chef d'État en fonction. C'est-à-dire que lorsque vous décidez de le faire déplacer, lorsque vous, l'équipe de campagne, vous avez identifié un site que vous estimez être important pour la campagne de votre candidat, vous n'êtes pas les seuls à décider là-dessus. Ouais. Lorsque vous avez identifié un site, après, il y a tous ces services qui doivent s'assurer que oui, effectivement, votre candidat. Est-ce qu'il y a eu des moments où les candidats ont dit j'ai un peu plus les gars, je ne peux pas aller là-bas, je pense que je dois me reposer? Non. C'est vrai qu'à un moment, on a eu des difficultés parce qu'on a pris 3 jours de trêve. Ça veut dire 3 jours de trêve, une campagne de 30 jours, c'est énorme. Ça nous a créé quand même un vide. Mais lui n'a jamais.
le cerveau, que ce soit bien au contraire, par moment, certains de ces services étaient en train de nous annuler certaines décisions. Là, je dois aller, là, je dois aller. Ça, ça nous a encouragé. C'est ce qui fait qu'on a quand même réussi en 27 jours à faire 26 provinces, 53 victimes. Et je ne crois pas qu'il y ait un autre candidat qui ait fait, je peux me tromper, hein, mais faire la moitié en nombre de meetings que ce que nous avons fait. Mais les sondages déjà donnaient une longueur d'avance hein, au président sortant, mais malgré tout ça, c'était important de continuer à insister, à battre campagne comme il se doit. Mais les élections, on ne les gagne que lorsqu'on a proclamé les élections. Ouais, ouais. C'est imaginer, ça. En tout cas, moi, d'expérience. Je retiens ça et je l'ai répété aux membres de l'équipe à tout moment. S'imaginer avoir vaincu les élections, avoir la proclamation des résultats, c'est non seulement un leurre, mais une faiblesse. Donc, au-delà du fait qu'on avait effectivement ces sondages qui ont déroulé public, et je vous ai dit que nous-mêmes, on a fait on a commandé des sondages pour permettre d'avoir une bonne lecture de l'opinion général de la situation de ce que pensaient les électeurs. Au-delà de cela, on a tenu et c'était pour nous extrêmement important de faire la campagne et de faire une bonne campagne. Et je crois que c'est ça qui nous a aidé, ça a fait la différence entre le candidat numéro 20 et tous les autres. Alors le 31, c'est le jour qu'on attend pour la publication des résultats. Ce sera peut-être le couronnement de ce que vous avez fait, en tout cas pour le candidat président de la République. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que vous comptez faire? Oui, on a maintenant deux dates devant nous. Okay. La première, c'est le jour de la publication finale des résultats, qui est prévu en principe pour le 31. Donc, on s'y prépare. Pour nous, c'est ce jour-là où on pourra dire qu'on a gagné. Et on va se féliciter mutuellement, tout en félicitant notre candidat pour avoir abattu ce grand travail. C'est un travail qui, il faut arriver à considérer, et le résultat d'abord sont ces 5 ans de mandat que les électeurs ont observé, et puis après il y a eu la campagne lorsque nous avons eu la possibilité de l'accompagner. Donc il y a cette grande date là que nous sommes en train de préparer en interne pour savoir où est-ce que nous serons, comment on va passer cette soirée de publication des résultats, et puis il y a la date de la prestation de serment, si je ne me trompe pas, le 24 juin. Estime aussi que ça doit être une grande journée pour la nation. Bien, merci beaucoup hein, pour cette visite. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de particulier que vous vouliez vous-même communiquer. Non, juste vous remercier d'avoir pensé de nous rendre visite aujourd'hui et vous encourager pour tout le travail que vous faites dans la communication au niveau de notre pays. Merci. Merci. Bébé. Bonne chance. Déjà, la chance, non, mais vous avez gagné, ça se voit. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On attend la fête. Il y a la fête, oui. Puis il y a le prochain mandat. Le prochain mandat. Qui reste aussi. C'est un nouveau contrat et un défi avec le bonheur du peuple congolais. Et vous devenez quoi après la campagne? Après la proclamation, après la publication, après la prestation de serment? Vous avez des ambitions? Je reste collaborateur du président Félix Tshisekedi à sa disposition.